Bien voilà, je vous fais une petite balade dans mon jardin, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez qu'il fait bien froid. C'est ici que je mets le bonhomme de neige qui chante, hein. Alors vous voyez que ici, les rudbeckias. Il y a des œillets qui sont en fleurs. Voilà, le petit tour de la maison, c'est sympa, hein. Faire un tour vers le bassin. Les magnifiques pampas. Regardez ce ciel. Ah, qui dit qu'il fait moche en Moselle? Voilà, donc c'est ici qu'il y a le village de Noël en hiver. Hein. Voilà. Et donc, à ceux que j'ai parlé direct tout à l'heure en direct, donc c'est cette partie-là sur laquelle les gens pourront être, ce qui permettra de voir le village sous la tonnelle, hein, par le côté. Voilà, pour ceux qui se souviennent un petit peu à quoi ça ressemble chez moi. Et ici, la crèche, hein, que j'ai refaite, j'ai repeint en gris. On va regarder l'intérieur, hein. Voilà, donc là il y a même un bonhomme de neige, hein. Voilà. Voilà la crèche. C'est sympa cette crèche, n'empêche. C'est vraiment joli. Donc, hâte de remettre ça. On va refermer tout ça. On tourne. Donc voilà, comme tout a bien changé. Là, ces pierres, ça va me servir à faire
l'arrière de la cascade. Hein. Parce que là, ici, avant ça, tout ça s'était caché, mais là, cette partie-là, il faut que je la change. Vous voyez que la cabane, avec sa couleur, elle est sympa. Hein. On voit qu'il fait froid. Il y a de la glace dans le tonneau. Faire un petit tour dans le chemin. Le Pampa. Vu de tout près. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus du tout le bambou. S'il y a un tout petit bout là, ici, là. Là, il va falloir que je l'enlève, là, dans le rocher, là, vous voyez, le petit bout, là, c'est du bambou. Et, donc, toute cette partie-là que j'ai refaite. Voilà. Je vous avais montré déjà sur une vidéo. Et le bassin. Vous voyez qu'il y a quand même de la mousse, hein. Alors que j'enlève, que ça envahit un peu, hein, regardez là-bas. Et les poissons se cachent sous le pont. Ils sont garés un peu comme des voitures, ça bouge pas beaucoup. Hein, voilà. Et on va terminer là-dessus, je vais vous montrer. On va zoomer un petit peu sur les poissons. Sympa, hein. Ouais, donc avec ce gimbal on fait vraiment des vidéos très sympathiques, hein. Voilà, je dézoome directement sur le pied, ça qui vient sans toucher au portable. Et donc quand c'est ensoleillé, hein, regardez. C'est quand même très sympa. Hein. Voilà, le petit tour du propriétaire. Hein. Avec une image beaucoup plus fluide. On peut marcher, ça ne tremble pas. Et c'est vraiment très bien. Alors là, je suis dans la position 3 qui permet en fait à la caméra de suivre les mouvements que je fais. Voilà. Donc voilà un déplacement. Juste pour voir ce que ça donne, je vais faire un déplacement en courant. Jusqu'à devant la maison. Vous voyez, donc je cours, on entend le bruit de mes pas. Et vous voyez que ça ne tremble pas du tout. C'est quand même top. Hein. Allez dans l'autre sens. Hop, hop, hop. Tic, 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 tic. On court, on court, on court. Et voilà. Bon, je vais tourner pour vous montrer un peu ma tête quand même. Voilà, je suis ici. Coucou à tous, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le premier test avec cette position 3. Vous voyez que je suis essoufflé un peu.